On envoie nos militaires dans des pays d'Afrique pour faire la police. On les envoie pas pour faire la guerre. Donc les militaires français se retrouvent, je sais pas où, au Mali, à faire la circulation sur un pont pour que les gens puissent aller d'un point à l'autre. C'est pas le métier des militaires. Qu'est-ce que tu veux qu'ils foutent les militaires avec ça? Donc les mecs le soir après ils sortent, ils se mettent la gueule à l'envers. De toute façon, la France, contrairement à ce qu'on nous a raconté, ça reste un petit pays. On a peut-être de l'armement pour défendre éventuellement nos frontières, mais on n'a pas assez de fantassins, on a besoin des autres. Quand il y a un conflit, quand c'est l'Ukraine qui est en conflit, sans les Américains, nous on tourne un peu sur nous-mêmes. C'est un pays qui dépense presque 1000 milliards de budget par an pour la guerre. Ce sont eux, effectivement, qu'on accuse pour l'OTAN, mais ce sont eux qui mettent le plus de fric dans le fonctionnement de l'OTAN. Ah, tu n'es pas d'accord? Viens vite. Alors, tu vas là, je te prie. Ajoute maurice.usa sur Skype.